Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super content, on a reçu un camping-car neuf. Donc qui dit véhicule neuf dit vidéo. Et maintenant vous avez l'habitude, hein, vidéo, je la fais avec Copinous là qui est là, mon Cyrilou. D'ailleurs on va le déranger. Cyril ! Ça marche ! Cyril ! Eh ben, on va y arriver. Tout à l'heure. Allez, merci. Cyril ! Au revoir, à bientôt. Il faut qu'on fasse une vidéo. On a reçu un véhicule. Ah bon ? Ouais, on a reçu un véhicule neuf. Donc on va faire une vidéo. Ouais, allez. Bouge pas. On y va. Qu'est-ce que tu fous ? Non mais ça. Sans déconner. Allez, Cyril ! Non, parce qu'il faut faire attention à l'heure. Allez, on a reçu un fleuret, un fleurium. Un fleuret, un fleurium ? Ouais. Bouge pas. Non mais, Cyril ! Il est con. Vous savez que c'est pas facile tous les jours. Hein. De quoi ? Allez, on a reçu un super intégral, un petit intégral. Un petit intégral. Ouais, ça va cartonner. Bouge pas. Non mais tu... Non mais t'en as combien dans... ce type est fou. C'est quand même pas facile. Allez, on va la faire. A tout de suite. Bon, mon Eddy. Yes, on y est arrivé. T'as fini? Oui. T'es revenu? Oui. Ouais, de l'escalator? Ouais, c'est ça. Bon, allez, alors, donc, comme dit précédemment, Fleurium, donc marque jumelle de fleurette, hein, pour petit rappel, marque française. 50 ans d'existence. Une particularité bah, c'est que c'est fabriqué 100% polyester. D'accord, c'est tout fait main, la menuiserie, c'est fait à l'usine. C'est une marque allemande, n'est-ce pas? C'est une marque française, comme je l'ai dit juste avant. C'est fabriqué à Benet. C'est autrichien? C'est français, comme je l'ai dit précédemment. Pour les gens qui connaissent, hein, c'est le haut de gamme. Du haut de gamme français. Et on n'est pas peu fiers de l'avoir, ouais. Pour la simple et bonne raison qu'il faut savoir que les commandes sont terminées depuis octobre en gros. Voilà. Sur les intégraux. Sur les intégraux, ouais. Et un peu après taillé, d'ailleurs sur les profilés aussi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de commandes possibles sur les intégraux. Ouais. Donc là on a eu la chance de choper celui-ci, in extremis. C'est vrai, on a eu la chance de le choper et on est content parce que c'est un modèle qui est hyper intéressant de par sa largeur, de par son implantation. Donc c'est un intégral lisse centrale en 6,59 m. Ah. Voilà, donc hyper intéressant. Alors le Fleurium, sa caractéristique première, ça va être sa couleur. Il n'est pas blanc, oui. Il est écru, beige, taupe. Il est blanc, voilà. Écru. Voilà, donc il est reconnaissable. Hein, c'est Et puis l'avantage de la carrosserie polyester comme le fait Fleurette, c'est que c'est lisse, c'est que c'est anti-grêle de partout. Ouais. Et le fait qu'il y ait cette couleur, en fait, ça évite aussi un peu le jaunissement du polyester. Ah oui, tout à fait, ouais. Que là, c'est bien, ça, on le voit pas en fait. Ça bouge pas. Ouais. Donc, on va faire un tour. Alors, je vois les LED là. Voilà, donc ça, c'est les feux diurnes, les anti-brouillards, tout ça, c'est de série. Hein. Feux diurnes, anti-brouillard, la face reconnaissable aux fleurettes. Hein, c'est. Fleurium. C'est vraiment les marques jumelles, c'est la même chose. Il faut savoir que c'est tout fait à l'usine, hein. ce calque là, cette face là, elle est propre à Fleurette, vous la trouverez nulle part ailleurs. C'est vrai. Vraiment Fleurette qui l'a fait, qui ont un moule spécial pour leur intégro. C'est vrai. Les rétro-type bus dégivrant électrique avec angle mort. Ouais, réglable électriquement, t'as dit. Hein. C'est ça. Ici on va retrouver le coffre à gaz, deux bouteilles de gaz, 13 kg. Avec l'inverseur gaz et le CQ Motion, c'est-à-dire que vous pouvez rouler avec vos bouteilles de gaz ouvertes. Yes. Là, c'est la petite panoplie de ce qu'on a dans le véhicule. Ouais, on cache ici. Donc pareil, hein, sur tous les intégraux, vous êtes sur le châssis Alco. Ce qui va nous permettre d'avoir des trappes d'accès. Oh zut, ça fait tomber ton mètre. Ce qui va permettre d'avoir des trappes d'accès dans le double plancher. Dis-moi Eddy, t'avais pas envie de présenter le prix? Si, mais là je te voyais parti pour l'extérieur. Tu veux qu'on inverse, on fait l'extérieur? On fait l'extérieur et on présentera le prix. Allez, d'accord. Donc voilà, les jantes alliages qui sont également de série sur ce modèle là. Ah ouais, c'est de série sur les Winchester. C'est de série, les baies cadres anti-effraction. Bien sûr. Ici on va retrouver notre remplissage d'eau, 150 litres d'eau propre. 150 litres d'eau propre. 150 litres d'eau propre, super. La soute. Donc la soute, t'as vu que j'ai fait tomber mon mètre. Ouais, dis-nous l'ouverture. Ouais. Alors l'ouverture de porte. Il y a du vent aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a du soleil. 97, je sais pas si t'arrives. Il est tordu et j'ai froid. Hop. Ouais.
97. Ouais, de juin à bord à bord. Hauteur intérieure, un peu moins de 91. Attends, je vois rien. Un peu moins de 91. Ok, à l'intérieur. Et en largeur, t'as quoi? Et en largeur intérieure, 106. Ok. Pour une ouverture de porte à... Pour une ouverture de porte à 81. Ok. Dans la soute, on va retrouver éclairage. C'est pas traversant, non, mais, on a quand même jusqu'au bout. Ouais. Éclairage, douchette extérieure. Éclairage. Douchette de soute, pardon. Et douchette. Ah, c'est ce qu'on a vu dans le coffre, dans le coffre à gaz. Très bien. Donc après, on passe sur la face arrière. Pareil, hein, qui est reconnaissable parmi mille, avec ses feux arrière à LED. Ah, ils sont beaux. Ouais, et puis cette très belle finition grâce au polyester qu'ils maîtrisent depuis 50 ans maintenant. Ouais. La cassette WC qui se trouve à l'arrière. Okay. D'accord, ça c'est du classique. On verra ça à l'intérieur. Et là on retrouve notre sortie du chauffage Truma. Notre prise P17 pour le branchement. Ouais. Et le remplissage du gasoil. La porte? La porte, elle c'est est. Une fermeture simple, la porte, elle est là. Donc alors la porte, tu fais bien d'en parler parce qu'ils l'ont changé cette année. Ben oui. Hein, nouvelle porte avec bien sûr un verrouillage de poids centralisé. Ici petite finition ivoire, ouais, vitre électrique. On sent la qualité. Hein. Ouais. On n'est pas et encore dedans, quand on ferme. Ouais. On ferme. Ça fait pas de bruit. Ça fait un beau bruit. Ouais. Autre chose pendant qu'on est à l'extérieur, on est bien sûr propre aussi à Fleurette Florium. Le toit décaissé avec la galerie. Tout à fait. Donc l'avantage du toit décaissé, c'est qu'on va poser notre antenne, notre panneau solaire dans le toit décaissé. La hauteur ne dépassera donc pas. Et l'autre intérêt d'avoir ce toit décaissé, c'est pour la prise au vent. Ouais. Parce que si vous mettez vos éléments au-dessus, vous aurez un peu plus de prise au vent. Donc là, moins de prise au vent. Très intéressant. Donc voilà. On ne dépasse pas de la hauteur hors tout grâce au toit décaissé. Exactement. On trouve ça chez Fleurette et chez qui? Et chez Florium. Allez, donc tu nous fais la fiche de prix maintenant. Allez, qu'on a fait l'extérieur. On va regarder la fiche de prix. Eddy, dis-nous-en un peu plus sur le prix de ce véhicule, s'il te plaît. Allez, on va regarder ensemble la fiche de prix. Donc, on est bien sur un modèle 2018 chez Florium. Son petit nom à lui, c'est le Winchester 65 LMC. D'accord. Nous sommes sur un Fiat Alco en 2,3 litres, 130 chevaux. D'accord. Eau propre, 150 litres, grosse capacité chez Fleurette. Florium, ouais. 119 litres d'eau usée. Ses dimensions, 6,59 m de longueur, donc ça va intéresser plus d'un client. 2,30 de large, 2,85 de haut. C'est pas très haut pour un intégral, hein, 2,85. Sachant qu'on dépassera, on dépassera pas de 2,85. Grâce au toit décaissé. Charge utile de 492 kg pour un 3,5 tonnes et nous sommes bien en 4 couchages, 4 places cartes grises. Très bien. D'accord. Bon, c'est point fort. Le prix du véhicule, pardon, 74 900 et le modèle est exposé, est au même prix à 74 900. On a toute série, on n'a rien rajouté. Tout est de série, donc je vous en ai parlé d'une partie à l'extérieur et on va voir la partie intérieure, tout sera de série. D'accord. Et donc tu nous dis un peu quoi? Bah, le duo contrôle, on en a parlé. Le Truma Combi 6, c'est le chauffage, je vous en parlais à l'intérieur. Régulateur, limiteur, climatisation, centralisation de la porte cellule et de la porte chauffeur. Les doubles airbags, l'autoradio MP3 à USB, les jantes à lui, on les a vus. Il y a une hotte dans la cuisine, la galerie, j'en vous en ai parlé. Le réfrigérateur 150 litres automatique et la moustiquaire. D'accord. Tout ça, c'est cette série. Et on est sur un châssis Alco, double plancher, bien évidemment. Ouais, tout hors gel. Allez, on va à l'intérieur? Allez, on fait un petit tour à l'intérieur. Allez, invite-nous. Allez. Donc, hein, on voit notre porte Artal. Deux points de sécurité, fermeture centralisée. Parfait. Et comme Fleurette le fait toujours, une baie ouvrante. Avec non, toujours pas. Hein. Toujours pas ouvrante. Occultant. C'est bon. Donc moi, la moustiquaire. Ouais. Hop. Avec un caillou dedans. Non, il y a le petit tapis. La moustiquaire. Super. L'éclairage extérieur. Donc je sais pas si on va pouvoir l'allumer, mais là t'as des LED pour les marches. Ouais, des éclairages. Des LED intégrés, ouais. Allez, montre-nous la cabine. On va essayer de vous l'allumer. Hop. Ah, tu prends un peu de l'avance. Hein. Voilà. Waouh, il est beau. Alors, la cabine. Il fait pas chaud, les copains. Hein. Il y a du soleil, mais il y a du vent. Hein. Allez, on retrouve notre poste de conduite Fiat sur les intégraux. Donc, le régulateur limiteur. La vitre électrique. Les rétro-électriques ici. Ouais, même avec le réglage de l'angle mort. Hein. Ouais. Climatisation. On a l'autoradio. Donc, on a enlevé la façade, bien sûr. L'autoradio Bluetooth, CD, USB. Le double airbag. Ouais. D'accord. Après, ça, vous le connaissez. C'est les rangements propres. Au porteur Fiat. Yes. Là, toujours utile pour mettre le smartphone. On a les occultants cabine et pare-brise ici. En intimité. Voilà. Super. Et pareil sur les côtés. Super.
super. D'accord. De série, bien évidemment. De série, tout ce qu'on va dire, c'est de série. Et nos petits pare-soleil. Très bien. Individuel. Madame a le sien, monsieur a le sien. C'est mieux. Autre chose sur le poste de conduite, oui. C'est que tu vois les haut-parleurs, les gros haut-parleurs, c'est du focal. Ah ouais. Alors focal, pareil, marque française, haut de gamme. Ah ouais, en termes de qualité de son, c'est vrai qu'ils sont balèzes. C'est voilà, les gens qui connaissent un peu focal, c'est du beau matos. Et je vois sur le tableau de bord, la finition sur les cadrans, elle est jolie. Ouais, aussi. Ouais, finition sur les cadrans. D'alu, ouais, sur les cadrans, ils sont entourés d'alu. Ouais, ouais. Ouais, c'est joli aussi. D'accord. Voilà pour la cabine. Ouais, la cabine très bien. Là, on a un petit rangement. Je vais te montrer, hop, toujours ici, les vide-poches, toujours utile. C'est vrai. Et puis notre baie coulissante ici. Ok. Des petites liseuses. L'éclairage, ouais, l'éclairage au-dessus du lit pavillon est vraiment sympa. On est tout à l'aide, évidemment. Ouais, ouais, tout à l'aide. Là, c'est vrai que bon, là, il fait beau, on s'en rend peut-être pas bien compte. Mais les éclairages dans le lit pavillon, t'as vu ici, c'est laqué blanc. Ouais. C'est du beau matériel. Hein. C'est vraiment, là, on est vraiment content de l'avoir récupéré celui-ci. Ah oui, c'est sûr. Ok, donc on passe à la partie salon, Eddy ? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, Eddy, parle-nous un peu de ce salon. Ouais, alors, salon qui reste agréable au vu de la longueur du véhicule en 6,59 m. Donc là, je suis assis hein, bien assis d'ailleurs sur mes sièges agoutis. C'est quoi les sièges agoutis ? Les sièges agoutis, bah, c'est le constructeur directement du siège, qui est un peu plus haut de gamme que les sièges Fiat, avec les doubles accoudoirs et puis la tête directement intégrée dans notre siège. Ah, donc c'est des sièges montés d'usine par Fleurette. Enfin, c'est Fleurette qui les pose, quoi. C'est Fleurette qui les pose, ouais. D'accord, ça sort pas de chez Fiat comme ça. Non, 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 ça sort pas de chez Fiat comme ça. Okay. Donc double accoudoir, réglable en hauteur, en profondeur, pivotant. Donc hein, tu vois, notre table, elle bouge de droite à gauche, d'avant en arrière. On peut être à combien là, on va être 1 ici, si on le reste avec la position en L. 1, 2, 3, 4, et là, le grand strapantin, on peut être à 5. D'accord. Assieds-toi sur le strapantin, Eddy. Bon, bah, il faut tu être rigoles, grand. T'es loin de la table. Parce qu'en plus, elle tourne, en plus, la table. Ah, bien joué. Là, tu peux la mettre comme ça, et là, on est pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette configuration-là, on peut être à 5. Donc, elle bouge vraiment dans tous les sens, la table. Pour taper le carton. Ouais. Donc super. Voilà. Donc voilà au niveau du salon. Est-ce que tu peux nous montrer le lit pavillon ? Ouais. Autre chose hein, pendant qu'on est là, il y a un tapis cabine. C'est de série aussi. Hein. D'accord. Le tapis cabine. Oui. C'est pas sur tous. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas sur tous, mais. Mais il y est. Ouais. J'allais dire heureusement qu'il y est aux 75 000 balles quand même. Oui. Merci. Merci Eddy. Donc le lit pavillon manuel, tout simple. On a juste à baisser les sièges. Et on retrouve un lit sommier à latte. Super. Filet en tissu pour les enfants. Ouais. Notre échelle si besoin. Et on est sur du matelas anti-acarien, hypoallergénique et tout ce que tu veux en haute résilience. Et on a un lanterneau, ça c'est bien. Occultant moustiquaire, des vide-poches et un double éclairage. Comme ça, si on dort en tête bêche en 69, chacun se met avec son éclairage. Bien. Continue comme ça. Tête belge, c'est ça hein. Oui, tout à fait. Un peu, non oui, et puis, 69, c'est le département. Le département, tout à fait. Ouais. Et puis, nos petits rideaux intimité. D'accord, parfait. D'accord. Donc, hop. Voilà pour cette Oui, parce qu'on est sur un 4 places carte grise, 4 couchages. Oui. Donc, un vrai intégral, hein, comme on en attend d'un fleurette. Donc, avec le deuxième lit permanent qui est là. Hein. Tout à fait. Et l'avantage hein, sur tous les intégraux, c'est quand on baisse le lit, vous avez vu, l'avantage c'est que le salon il reste complètement accessible. Tout à fait. Ok. Donc, niveau meubles, on a niveau quoi mobilier, alors les mobiliers hauts, bah, on voit déjà rien qu'ici, on voit la qualité de fabrication. Ouais, c'est et puis un petit truc qu'on aime bien, c'est ce petit tiroir. Eh ouais, pas de place perdue. Ce petit tiroir, tu peux mettre des choses en plus ici au-dessus, et puis tu regardes, c'est tout sur amortisseur à billes. Tout sur rail à billes. Rail à billes. Puis la qualité de finition, c'est qu'on va retrouver les deux charnières plus un vérin avec des vraies étagères et un rebord. Ouais, donc c'est quand même on voit la qualité de la menuiserie intégrée à l'usine. Ah, y a pas donc voilà pour cette partie là. Ici, tiens, on va passer de ce côté, mon Cyril. Oui, un truc aussi là qu'on voit bien, c'est regarde le rétroéclairage vers la poignée de préhension. Là, tu as un rétroéclairage ici, tu as un rétroéclairage au-dessus. Ouais. Là, tu vas retrouver le panneau de contrôle. Le système du chauffage. Ouais. D'accord. Donc ça c'est notre Trauma Inet. Donc on est bien sur un combi 6, c'est-à-dire un 6000 watts, c'est le plus puissant qu'il existe aujourd'hui. Ouais. Le gros avantage de ce petit appareil là,
c'est que tu vas pouvoir régler ta température de chauffage d'eau au degré souhaité. Ouais. L'autre avantage, c'est que tu peux le connecter avec ton smartphone et tu peux lancer ton chauffage avant de rentrer. C'est le iNet, il est super bien. C'est génial ça. D'accord. Et puis là, c'est notre commande de contrôle, hyper ludique. Les éclairages intérieurs, ouais. Les éclairages extérieurs, les pompes à eau, les auxiliaires. Et puis après, là, je suis dans le setup. Tu peux naviguer. Voilà. Ouais, tu vas avoir la température intérieure, la température extérieure, les batteries cellules, les batteries porteurs, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. Tout est indiqué là-dessus. On peut même sur les fleurettes programmer une alarme si on veut se réveiller. Tout ça, ouais. C'est assez incroyable. Là, ici, pas de place perdue. Encore un rangement. Ouais, c'est utile ça pour les pieds. Ouais. Un rangement ici. Voilà pour la partie salon. Très classe ce salon. Ouais. Très très classe ce salon. Tiens, pendant que tu es dans le salon, on va finir avec ça. Oui, tout à fait. On est donc sur un châssis Alco, comme on l'avait précisé. Châssis Alco, double plancher, hors gel. Tout est hors gel. Réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. Super. Dans cette grande trappe, hop, on va retrouver un peu de pique-nique. Avec le chargeur batterie, les fusibles, nos arrivées de gaz. Et le réservoir d'eau usé, donc qui est chauffé. Tout est super accessible. 119 litres. Et là, en plus, on a du rangement. Il y a un coupe-batterie cellule de série. Ouais. D'accord. C'est bien ça. Et du rangement est encore ici. Ouais, une vraie trappe technique, facilement accessible. Ouais, tout à fait. Très bien, Eddy. Est-ce que vous invite dans la cuisine, bien sûr. Allez, on est parti. Ah, c'est vrai, pop. Tu as coupé ou pas? Non, j'ai pas coupé. Autre chose tout à l'heure, regarde, t'as une petite prise ici, mon Cyril. Ah, petite prise 12 volts. C'est pratique ça. Il n'y en a jamais assez. Ouais. Donc voilà, on peut passer en cuisine désormais. Merci. T'as caché la chambre. Oui. T'as pas envie de montrer. Alors, on est vraiment fan de ce véhicule, je pense, tous les deux. Oui, on aime beaucoup ce véhicule. C'est vraiment une très très belle qualité de fabrication. Et c'est élégant. C'est vraiment le chic à la française. Ce que cherchent les Américains. D'ailleurs, on les vend beaucoup aux États-Unis, ceux-là. C'est pas vrai, mais non. D'accord. C'est vraiment. Non, mais là, vraiment, on retrouve le chic à la française. Ouais. Pourquoi? C'est vraiment ce travail de menuiserie. Alors, je reviens là-dessus, c'est peut-être un peu lourd. Mais regarde là, cet arrondi-là. C'est magnifique. Ouais. Cet arrondi, pareil, regarde ta cuisine. Regarde l'arrondi des tiroirs. Donc on viendra plus en détail, mais regarde l'arrondi des tiroirs. Regarde comment c'est travaillé, Cyril. Ouais. Non, mais c'est fleurette, quoi. C'est, en même c'est temps, nous, on est habitués, ouais, on ouais, les connaît depuis longtemps. Mais ouais, mais à chaque fois qu'on les voit, on se dit, putain, c'est vrai. Ouais, que... Nous, on est fan de cette finition-là. Allez, montre-nous donc, bref, la cuisine. Donc, on va retrouver ici un petit passe-plat. Parfait. On va retrouver ici un tiroir coulissant, il faut que tu viennes de... Ouais, parce que là on voit rien, de ce côté-là, tu viennes de ce côté-là. Quelque chose. Donc porte épices, enfin ce qu'on veut, hein. Un tiroir coulissant. Tout sur un roulement à billes encore une fois. Placard haut. Voilà. Deux charnières, deux charnières. Donc rangement profond ici, pareil un petit rangement là. Notre hotte de série. Ouais. D'accord. On va retrouver ici des prises 12 volts 220. Puis même les petits éclairages ici. Ouais, ça fait longtemps qu'il c'est le fait. C'est vrai, c'est ça. Super sympa. Ouais, mais il est beau, lui. La crédence, hein, la crédence ici, type alu brossé. Mm-hmm. Un rétroéclairage ici, magnifique. Donc, quand même une petite cuisine donc en vaguelette. Ouais, n'oublions pas qu'on est dans un véhicule qui fait 6m59. 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 Nos trois feux en long avec piezo intégré. Bien évidemment. D'accord. Bon, même si on se serait contenté de deux feux, mais Fleurette aurait été mal vue de ne mettre que deux feux, je pense. Mais bon. Notre mitigeur ici au chaud d'eau froide. Ah, avec... il va vers le haut. Ouais, non, c'est bon. Ça, c'est le stop-goutte. Super. Hop, ça. Le stop-goutte. Et notre évier ici. Génial. D'accord. Au niveau des rangements bas, on va retrouver alors un très grand placard ici. Ah ouais. Avec les d'accord. D'accord. C'est c'est vraiment spacieux. Ah ouais, t'en as trois comme ça. Ouais. Hop, on va les ouvrir. T'as vu le petit logo Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est rétro éclairé. Regarde ah ouais, comme ils sont grands. Aïe aïe aïe. C'est non, ils sont. Ça s'ouvre sur toute la largeur de. C'est, la cuisine, c'est tout avec frein. Hein. Là, regarde, poubelle. Ah ouais, pour mettre la casserole, tout les, ça. Les bouteilles, les quatre bouteilles de pif. C'est vraiment bien pensé. Non, c'est, allez, on est en 6m59. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et tu verrais le poids là, enfin le poids. Là, c'est, tu sens que, ouais, tu sens que c'est de la qualité. Ouais, tu sens que c'est de la qualité, quoi. C'est pas brinque-ballant. Donc là, ici, pareil, notre petit, un petit support. Porte-épices. Après, on se retourne, on va retrouver sur un 6m59 un grand frigo de 150 litres automatique avec conservateur. D'accord ? Donc automatique, vous n'avez rien à faire, vous le mettez, il va gérer son énergie tout seul, 12 volts, 220 ou gaz, automatiquement. Super. D'accord ?
Donc 150 litres sur un 6m59. On va retrouver un meuble haut ici avec un pré-câblage TV. Ouais. Ok. 12 volts de 120. Et on va retrouver encore en plus un grand tiroir. Super. D'accord. Ah ouais, non mais vraiment pour 6m50, l'espace cuisine, il est vraiment super bien pensé. Non, c'est très bien pensé. Alors pour rappel, ils ont créé la Mac Florium qui est plus contemporaine que Fleurette. Et là, on le voit avec tout ce laqué blanc ici, avec tout ce laqué blanc, avec cette finition bois clair. C'est vraiment ce qu'on trouve dans les habitations aujourd'hui. Oui, parce que à savoir, les gens qui ont acheté un Fleurette Discover, c'est l'équivalent de celui-ci en Discover avec un autre mobilier. C'est ça. Mais en termes de qualité de fabrication, de construction, on est dans la même usine. Kiff, hein, kiff. C'est exactement pareil. On n'a pas parlé du grand lanterneau aussi, là au-dessus du salon. Grand lanterneau ouvrant, avec moustiquaire et occultant. Avec occultant. Et moustiquaire. Bien évidemment. D'accord. Encore une fois, tout ce qu'on vous montre dans ce véhicule, c'est de série. Nous n'avons pris aucune option. Voilà, il n'y a pas d'option, c'est toute série sur celui-ci. C'est magnifique. On va passer en partie nuit. On va faire nuit et salle d'eau en même temps. Ouais, comme c'est. Ouais, ouais. Allez, on est parti. Ça. Allez, Eddy, montre-nous. Là, puisqu'on est sur un 6m59 avec un lit central. Oui, ben oui, c'est un lit central. Donc on va voir que la douche et les WC sont déportés. Donc la fermeture vie. Jour, nuit, pardon, ça se fait par ce rideau ici qui est aimanté. Alors, Cyril. Oui, tout à fait. Donc, notre lit, donc on est sur notre lit central déporté. D'accord. Pourquoi je dis déporté? C'est que tu ne fais pas réellement le tour du lit, mais tu arrives quand même à venir ici. Ouais, tu n'es pas obligé d'enjamber ton partenaire pour sortir. Exactement. Du lit. Donc, l'avantage, c'est que tu te mets là. Sans passer par l'autre côté. D'accord, donc c'est un lit central décalé sur un 6m59. On va passer ici directement la douche qui est devant. D'accord. Donc la douche, pas de passage de roue. Elle est grande, hein. Ouais, une douche spacieuse. Allez, on va pas. Hein. Combien tu mesures, Eddy? 1m92. Ah oui. Alors 1m92, ça fait ça dans. Est-ce que tu vois tes voisins camping-caristes là d'ici? Je vais te dire, attends, bouge pas. Eh oh! Matelot! Ouais, je pourrais presque les voir. Donc 1m92, et on va faire l'essai avec toi. Oui, hein, parce que moi, 1m80. Bon, moi, je suis un peu hors norme. Moi, normal. Carrière, un petit. Ouais, l'éclairage. C'est active. Beau, ça. Ouais, pareil, on a dû brosser, c'est beau. Écoute, 1m80 avec les baskets. Ouais. Non, on est bien. Ouais, je peux bouger, sachant que je suis tout habillé, regarde ça. Ouais. Non, il n'y a rien à dire. Bon, c'est, ouais, elle c'est, est grande, elle est très bien. Allez bien. Je remets ça. Donc avec, l'étendoir derrière. Hein, je t'en prie, montre. Hop. Ça aussi, hein, cette série sur les fleurettes, étendoir, rétro-éclairage tout en LED, porte-savon ici. C'est une belle douche. Hein. Ouais, c'est vrai. Ensuite, donc, on va passer au rangement. Pareil ici, si on veut mettre une deuxième télé, on a un pré-câblage. Ah oui, parce que tu mets une deuxième télé, ah oui, pourquoi pas. C'est ouais, oui, à mon avis, si on met un tiroir coulissant, la télé, on la voit d'aussi bien devant, derrière. Mais au moins, on peut le faire. Voilà, petite penderie, enfin grande penderie, pardon, oui, grande penderie ici. Ouais, super. Okay. Ok, ça marche. Ici, on va retrouver un petit système de coiffeuse. Donc toujours un petit rangement supplémentaire, avec une prise USB pour charger le téléphone et les interrupteurs d'éclairage. Et la tête de lit en simili-cuir. Les meubles hauts, toujours avec nos deux vérins, nos deux charnières. Deux vérins de chaque côté, plus deux charnières. Ouais. Nos liseuses. Ouais. Et notre grand lit ici. On peut soulever pour avoir accès encore à des rangements. D'accord, la soute elle est complètement isolée. Hein. Ouais, tout à fait. La soute est complètement isolée. Donc là, on retrouve un très grand rangement. Tiens, petite chose, puisqu'on vous le présente et puisqu'on est honnête. Comme d'habitude, moi j'aurais fait un accès ici. Ouais, j'aurais pu faire une petite ouverture. J'aurais fait une ouverture. Faut bien ici. Leur trouver un truc à redire. Oui, parce que bon. Voilà. Ici, toi, tu vas pas arriver à l'ongle. Si. T'as pas d'ongle. Mais non. On va le laisser celui-là. Là-dedans. Là-dessous. Mais tu t'es cassé les doigts. Ça se soulève pas comme ça, Eddy, ça. Là-dessous, on a le réservoir d'eau propre. Là-dessous. 150 litres d'eau propre. Il est là-dessous, sous cette trappe, messieurs, dames. Donc il faut le soulever, mais il faut un petit outil pour venir le faire sauter plus facilement, surtout quand on n'a pas d'ongle, comme Eddy. Donc après, on va retrouver notre partie WC. Oui, une petite tête ici en simili-cuir, des tailles de finition
joli. Une petite patère en rentrant. Ouais. Et là, pour ceux qui veulent un WC spacieux, ben excuse-moi, c'est celui-ci. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un... WC hyper spacieux. Ouais. Hop. Donc là, avec la tête qui s'ouvre, enfin qui bascule. Et là, on est comme à la... Alors là, on est vraiment comme à la maison. Ouais, c'est vrai, ouais, comme à la maison. Mais... Donc on est spacieux. Donc en 6 mètres 50. Hein. Ok. Donc là, on va retrouver encore... De la technique. Ouais. Parfait. Voilà. Okay. Les tuyaux d'eau, bien sûr. Bien joué. Donc notre lavabo. Ah ouais, en plus qui devient un immense lavabo pour le coup. C'est... Alors refais la manip. Mais oui, parce que les gens ils se disaient, mais il n'y a plus de lavabo dans ce camping-car. Bah si, dans la douche. Bah oui, super, mais refais la manip. C'est impressionnant, donc c'est pour ça qu'on a un système de charnière. Regarde, ça regarde comme c'est astucieux. Ça suit le mouvement, ouais. C'est hyper astucieux. Et là par contre, là t'es, excuse-moi, t'es comme à la maison quoi. Bon, pour ceux qui se rasent, c'est hyper, hyper large. On a notre mitigeur. Et puis là, on va retrouver encore un rangement ici. Ouais, ouais, c'est très, très. Et puis regarde, une petite prise de 120 qui est là. Pour le sèche-cheveux de madame ou de monsieur. On a un lanterneau. Hein. On a un lanterneau dans la douche, on l'a vu. Mais là, il y a encore un lanterneau. C'est super bien fait. Ouais, pour 6 m 60, 6 m 59. Une vraie porte rigide avec poignée type habitation. Ouais. Et puis pareil, hein, chez Fleurette, bon, on l'a déjà dit sur d'autres vidéos, ça va être notre revêtement ici. Ouais. Donc qui permet l'isolation phonique, l'isolation thermique, en plus de l'isolation en styrofoam qui est déjà efficace. Bien sûr. Donc un super beau véhicule qu'on est vraiment content de présenter. Ouais. Voilà. Et ben on va conclure. Allez, c'est parti. Bon Eddy. Ouais. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de ce véhicule. Alors là, ça va être un peu facile parce que je remarque, je te coupe, mais c'est bien parce que toi tu fais une présentation d'un fleurette avec ta veste Bavaria. C'est pas de la provoque un peu ça? Ouais. Il est piqué Bavaria, messieurs dames, c'est incroyable. Parce que j'ai pas de veste fleurette. C'est vrai que par contre, on n'a pas de veste fleurette. Hein. Si jamais un jour ils regardent cette vidéo, pour vos concessionnaires, n'hésitez pas à une petite veste fleurette. Bavaria, j'en ai. Hein. Ça fait plaisir. Allez, la conclusion, Eddy. Donc la conclusion, je pense qu'elle va se faire assez facilement et d'elle-même puisqu'on est vraiment en présence d'un véhicule super beau. Qu'on apprécie beaucoup. Qui est beau. Voilà, les dimensions qui vont intéresser beaucoup de monde en 6 m 59 sur un lit central décalé. Techniquement aussi. Techniquement, on est très haut de gamme. Là-dessus, il n'y a plus rien à prouver. Maintenant, la petite particularité, c'est que ce modèle-là, vous l'avez compris, il n'y en a qu'un. Puisque les commandes usines sont terminées depuis novembre. Il n'y en a qu'un chez nous. Peut-être que d'autres concessionnaires en ont en France, effectivement. Mais voilà, ce véhicule est à la vente. C'est celui-ci. Donc il y en a un disponible chez nous, c'est celui-ci, il n'y en a pas d'autre. Donc je pense que ça va intéresser du monde. Et puis si ce véhicule vous intéresse, si vous êtes acheteur d'un bel intégral court, ce sera celui-ci. Donc vous nous contactez, cyrileddy@gmail.com, et on se fera un plaisir de vous donner des renseignements supplémentaires sur ce véhicule. Et puis toujours pour les clients YouTube qui nous suivent. On fera un petit quelque chose. Ah ouais, même sur celui-ci qu'on va vendre c'est facilement, on fera. Ouais, parce que c'est le seul qu'on ait, donc on va faire quand même un petit quelque chose, mon Cyril. D'accord. Hein, mais si tu veux, avec plaisir. Allez, donc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de présentation. Ouais. On a passé les 2600 abonnés, Eddy. Ouais, ouais, ouais. Donc merci, un grand merci à toutes et à tous de nous suivre, de vos commentaires qui sont vraiment très sympas et qui nous donnent chaud au cœur et qui continuent. Ce qui nous permet de faire encore nos vidéos même quand on se les gèle. Donc c'est pour vous. Pour vous abonner, si vous voulez vous abonner, allez, on va mettre l'abonné ici, là. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt, bye bye, merci, ciao.